Bienvenue dans notre restaurant. Voici vos menus. Okay. Je peux avoir une pizza? Bien sûr, c'est parti. Oh, c'est une sacrée petite sélection que vous avez. Wow, c'est juste ce dont j'ai besoin. Garçon, je vais prendre cette pizza. Oui, deux secondes. Oui, je veux quelque chose aussi. Oui, tu as dit pepperoni. Voilà la pizza. Bon appétit. Marie, tu veux pas qu'on échange? Non, jamais. Non, mange la tienne. Ok. C'est même Debs. Oreo et des oursons en gélatine. C'est le genre de pizza que n'importe quelle dent sucrée voudrait avoir. Oh, j'adore le chocolat. Il faut que j'aie au moins une tranche. Attention. La pizza au chocolat vient me voir. Quoi? Enlève tes mains de moi. What's the matter with you? Les filles, attention. C'est à moi. T'as dit ça? Vas-y, je vais juste essayer. Je vais déjà ça. Les filles, c'est impossible le comportement comme ça dans notre restaurant. Et la finition, c'est le challenge au chocolat. Oh waouh, nous sommes où? Oh, comment nous sommes arrivés? C'est quoi? J'espère que c'est quelque chose de délicieux. Ah oui, c'est une bombe. Descends, ça va exploser. Ça a l'air cassé. Quelque chose ne va pas. Oui, j'ai compris. C'est une bombe sucrée. Oui, c'est tellement bon. Une saveur vraiment explosive. Waouh! Tu ne peux pas t'arrêter. Je vais encore et encore. Tu devrais pouvoir l'essayer aussi. Pas question, c'est tout à moi. Oh waouh! T'as tout mangé si vite. Il reste une dernière pièce. C'est la première fois que je mange un chronomètre. C'est vraiment bon. Tout le monde devrait l'essayer. Attends, c'est quoi ce bruit? T'entends? Oh non, ça vient de là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est une vraie bombe. Une vraie. Oh, à l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Salut tout le monde, j'ai entendu quelqu'un ici demander de l'aide. T'inquiète pas, je vais te sauver. J'ai un ruban spécial. Voilà, vous êtes en sécurité. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande combien de temps avant qu'il n'explose. Ce n'est pas clair, mais nous devons nous dépêcher. Oh, allez. Quelqu'un sait comment utiliser ces boutons? Oh, je crois que j'ai tout gâché. Mon travail ici est terminé. Oh, waouh, c'est tellement haut. Marie, que faisons-nous avec la bombe? Ne panique pas, j'ai un plan. Juste ce dont nous avons besoin. Marie, cela ne va pas t'aider. D'accord, et ce poulet? Non, bien sûr que non. Tu n'es pas du genre à te faire plaisir. Mais t'en penses quoi de ça? Non, range ça vite. Pense à nuire avec toi. Oh, j'ai trouvé. Ça devrait le faire pour toi. Oh, je vais juste prendre le fil. C'est une excellente idée. Quoi? Il y a tellement de fil. Qu'est-ce que tu veux couper? Je pense que le blé. Marie, s'il te plaît, devine. Oui, c'est fait. Nous sommes sauvés. Oh non, le temps est passé encore plus vite. Et tes dents sur nous mangent le plus de chocolat. Je vais gagner. Un de plus. Je ne vais pas m'éloigner de toi. Ah ah, l'égalité, c'était génial. Mon nombre. Waouh, je suis si heureuse. C'est le nouvel iPhone. Moi aussi, c'est le meilleur cadeau qui soit. Nous avons deux iPhones identiques. Je sais pas. Allez, je vais aller voir. Oh, wow, c'est si confortable dans la main. Il y a aussi beaucoup d'applications. Seulement, pourquoi ne fonctionne-t-il pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Wow, c'est un iPhone en chocolat. Je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça. Wow. Oh, c'était délicieux. Wow, si t'as un chocolat, alors j'en ai un vrai. Génial, il est temps de prendre des selfies. Oui, bonne idée. Souris. Bah, attends, tu gâches la photo. C'est beaucoup mieux. Eh bien, tiens bon, ma vengeance sera brutale. Oulala, je suis si mignonne. Arrête. Oh non, mon iPhone. Bien fait pour toi. C'est donc toi qui m'as fait peur. Oups, c'est moi, mon iPhone en chocolat. J'aimerais qu'il aille bien. Oh non, mon tout nouveau téléphone. Pourquoi je ne pourrais pas prendre de superbes selfies? Oh, j'ai une idée. Oh, qu'est-ce que tu veux? Je
échangeons nos téléphones. Oh, vas-y, allez. Donne-moi le tien, tu prends le mien. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est cassé. Chelsea, tu m'as trompé. Quoi? Elle mange aussi mon iPhone en chocolat. Rends-le-moi. Ce n'est pas l'échange pour lequel j'ai signé. Il ne reste qu'un petit morceau. Oh. Wow. Un chargeur de chocolat? Je doute que cela t'aide, mais ça vaut le coup d'essayer. Wow. Je peux manger cet iPhone maintenant, tout de suite, n'est-ce pas? Wow. Quelle chance pour Marie. La jalousie en silence. Peut-être que je peux réparer mon iPhone. Ça vaut le coup d'essayer. Alors, commençons. Ah, allez, aidez-moi. C'était une très mauvaise idée. Ah, c'est une sacrée coiffure que t'as. C'est drôle. Moi d'abord. Ma surprise préférée de la mort dernière. Il y en a aussi tellement. Génial, j'en ai aussi. Six d'entre eux. Quoi? Quoi? T'en as aussi? Qui a les chocolats et qui a les vrais? Je sais pas. Je vais commencer alors. Je crois que je nettoie ça rapidement parce que j'ai hâte de les essayer. Du chocolat au lait, j'adore. Il y a aussi des M&M's en bonbon à l'intérieur. C'est deux fois plus bon. Oh, j'en veux aussi. C'est vrai. J'ai ma propre surprise Kinder. L'odeur est si douce. Oh, c'est un vrai œuf. C'est dégoûtant. Bien fait pour toi. Ce n'est pas juste. J'espère que le prochain œuf ne sera pas comme ça. C'est tellement effrayant d'essayer. Oh non, il y a un œuf ici aussi. Ça a l'air horrible. C'est le pire tour de tous les temps. Mais j'aime bien. Parce qu'un Kinder Surprise est la meilleure chose délicieuse du monde. C'est du chocolat sucré et il y a toujours une surprise qui attend l'intérieur. Wow, des boules de chocolat. J'adore. Mais j'ai aussi envie de manger un vrai Kinder Surprise. Chelsea, laisse-moi en essayer, s'il te plaît. Non, comment tu peux donner une Kinder Surprise à quelqu'un? C'est juste à moi. Chelsea, t'es si gourmande, je ne sais pas quoi faire. Ah, je sais. Je vais jouer un tour à Chelsea. Peut-être qu'elle réalisera que tu dois manger avec tes amis. Prépare-toi. Quoi manger? Vas-y. C'est ce qu'il faut. Arrête, c'est quoi ce goût désagréable? Ça ne t'a pas plu? Ah, tu l'as mis en place. Tiens, bon, prends ça. Oh non! Mon visage! C'est sale! Ta farce a été un échec. Oh, c'est dégoûtant! Tu dois manger toutes les surprises de Kinder. Ah non, pas ça! Oh, je suppose que je dois le faire. En fait, j'ai une meilleure idée. Organisons un barbecue. Qu'est-ce que tu fais de nouveau? Nous prenons un œuf. Un œuf et en cassons la poêle. Et ça fait avec tous les œufs. Et tu tiens un œuf brouillé savoureux. Ça a l'air délicieux. Marie, je peux en essayer? Non, ces œufs sont juste pour moi. Eh bien, une astuce de cuisine dangereuse. Wow. Oh, c'est tellement beau. Une idée. Oui, prends ça. Non! C'est mieux sur toi. Mes œufs sont fichus. Je ne cuisinerai plus. J'ai mimé. Wow! Un set de McDo superbe. Attends, moi. Oh, moi aussi. Je l'essaie d'abord. Le coca est un excellent désaltérant. Quoi? Comment cela est-il arrivé? Oh, je l'ai eu. J'ai du coca au chocolat. C'est vrai. J'adore le chocolat. Waouh, génial. Waouh, ces machines à fabriquer des bonbons. Waouh, le coca au chocolat et les M&M's aux bonbons sont la combinaison parfaite.
je veux aussi. Essayons. Aidez-moi, je suis toute mouillée. Non. Alors, comment se passe cette douche à la coca? Il n'y a rien de drôle là-dedans. Oups, dommage que tu n'aies plus le coca. Je me demande si les frites sont aussi des frites au chocolat. Oui, un vrai délice. Des frites au pépito au chocolat. Personne d'autre n'a jamais goûté ça. Je veux manger tout en même temps. C'est délicieux. Tu pourrais les manger pour toujours. Waouh, même la boîte est comestible. Tu ne plaisantes pas? Tu te moques de moi? Oh, ce n'est pas comestible. Oh, je n'ai plus de frites et plus de coca. Ça te sent pas mal, c'est parti. Waouh, merci beaucoup. C'est vraiment délicieux. Bienvenue au challenge de l'artiste. Ah oui, c'est une idée cool. Celui d'entre vous qui le dessinera le mieux obtiendra la fontaine de chocolat. Si tout le monde est d'accord, on peut commencer. Mais attention, vous devez dessiner sans les mains. C'est obligatoire. Si c'est clair, la minute est partie. Allons-y. Je suis presque sûre que j'ai réussi à l'emporter. Pourquoi je devrais être en compétition avec ça? Ah oui, qui a dit ça? Quelque chose me dit que je vais avoir la fontaine de chocolat. Je suis si douée pour le dessin. Quoi? C'est à moi? Mais je n'aime pas vraiment ce que j'ai jusqu'à présent. Il faut peut-être changer de tactique. Je pense que dessiner avec un feutre serait beaucoup plus confortable. Ah ouais? Je vais essayer comme ça. C'est bien. Oui, un feutre. J'ai envie de dessiner avec aussi. Oui, tu ne peux même pas ouvrir un feutre. Ce n'est pas drôle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Surtout que d'autres n'ont pas de si beaux dessins. Mais c'est bon, si je ne peux pas dessiner magnifiquement, j'ai besoin que les autres gâchent aussi leur chef d'œuvre. Je pense qu'en stylo mes doigts. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as fait gâcher mon dessin. Oh, quelle malchance! Pourquoi est-ce que tu rigoles? Je pourrais te ruiner aussi, hein. En plus, ton dessin est fichu. Lui aussi, je vais tout gâcher. Tu sauras comment me moquer de Samantha. Oh non, arrête! Oui. Chelsea, pourquoi t'es si heureuse? Je vais aussi ruiner ton dessin. Non, s'il te plaît! Stop! Livy, votre temps est écoulé. Montrez-moi vos œuvres. Oh non, j'ai pas eu le temps d'abîmer le dessin de Chelsea. Voyons voir ce que vous avez dessiné. Marie, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne ressemble pas à une fontaine, mais à une tache. Samantha, ton dessin n'est pas très bon non plus. Pourquoi vous n'avez pas essayé? Qu'est-ce que vous pensez de mon travail? Eh bien, c'est mieux que les autres. Ok. Mais j'ai vu plus joli. D'accord, puisque c'est pire que celui de tout le monde, Chelsea gagne ce soir. J'ai essayé plus fort que tout le monde, donc j'ai mérité ce prix. Tu penses que t'es la seule à pouvoir boire du chocolat? T'as tort. Nous pouvons le faire aussi. Nous avons même des pas spécialement conçus pour cela. C'est tellement bon. Et où est le chocolat? T'es notre amie. Tu l'as donc partagé avec nous. Voleuse! Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain tour? Cette fois, votre prix sera encore plus cool. Oui, le chien est tellement mignon. Il est très récédié. Il est allé aux toilettes. Et le prix est le caca le plus mignon. Celui qui dessine le mieux l'obtient. Bonne chance. C'est parti. Je ne veux pas de caca. Je vais dessiner juste quelque chose. Mais pas un caca. Je dois faire le pire dessin de ma vie. C'est vrai. Il n'y a rien de pire que dessiner avec son pied. Je m'excuse tout de suite pour l'odeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Une guerre nucléaire est en cours. D'où vient cette odeur? C'est juste mon pied.
Tout le monde est sûr de dessiner quelque chose de cool. Je vais juste utiliser un feutre sur le papier. Comme ça, je ne me ferai pas prendre. Et je n'aurai pas de caca. Oh non, j'ai perdu mon feutre brun. J'ai besoin d'un remplacement tout de suite. Je n'arrive pas à mettre la main sur quoi que ce soit. Je dois faire plus attention. Je me demande ce que les autres ont dessiné. What? Votre temps est arrivé à sa fin. Montrez-moi vos chefs-d'œuvre. C'est terminé? Oui, je suis prête à montrer mon dessin. Non, 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 please! Chelsea, j'attendais plus de toi. Waouh, Samantha, t'es vraiment bonne. C'est un bon dessin. Marie, pourquoi tu t'es endormie? Oh non, je dors pas. Voici mon dessin. Oh, c'est un vrai caca. C'est donc toi qui reçois le prix. Félicitations, Marie. Du caca? Oh non! Les règles disent que tu dois manger ça. Oui, mais que se passera-t-il si c'est de la chance et qu'il s'avère que ce n'est que du chocolat? Ouais, elle mange vraiment du caca. Vous êtes le caca. Et cette pâte de chocolat est tout simplement délicieuse. Vous voulez bien essayer? C'est vraiment bon. Les filles, vous êtes prêtes pour le prochain combat. Cette fois-ci, vous vous battrez pour le chaton le plus mignon. Il est si mignon. Et vraiment doux. Si vous le dessinez vraiment bien, c'est à vous. Vous devrez utiliser avec des crayons de couleur. Et sur votre visage. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Et c'est parti. Et vraiment, pourquoi dessiner quelque chose sur du papier quand je ressemblais beaucoup à un chat mignon de moi-même? J'ai juste besoin de quelques détails supplémentaires sur mon visage et j'ai terminé. Je ressemble aussi à un chaton miaou. C'est moi qui suis le plus beau. Vous pouvez vous tourner autant que vous voulez. Mais je suis la seule à avoir pensé à acheter un miroir. Je ne peux rien faire de bien sans ça. De plus, un miroir n'est pas contraire aux règles. Yes! Je vais définitivement gagner. Chelsea ne sait pas dessiner. Et Marie? Oh, wow! Utiliser un miroir est contraire aux règles. On t'attoie. Regarde, Chelsea. Tu vois le nerf de la guerre. Oh non, c'est pas juste. Il faut donner le soin à Marie. Nettoyons son maquillage. Marie, t'es prête à prendre une douche? Alors, vas-y. Non! Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? J'aurais pu recevoir un chat en peluche en cadeau! Un vrai chaton! Si le maquillage de Samantha est aussi court, je n'aurai pas ce chaton. Il faut ruiner son maquillage! Samantha, ton maquillage a coulé! Où ça? Dis-moi, je réglerai la situation. Laisse-moi t'aider. Ça ne me dérange pas. Ouais? Ouais? C'est génial! Oh, merci beaucoup! Les filles, montrez-moi vos visages. Voyons qui a quoi. Marie, tu n'as même pas essayé. Oui, horrible, tu ne peux même pas voir un chat comme ça. Samantha, t'as seulement vu à quoi tu ressembles. Et pourquoi un pirate? Un pirate? Mais quel pirate? Ah ouais, Chelsea. Je t'ai donné une leçon. Au moins maintenant, l'autre pourra apprécier mon maquillage. Oui, je vais encore devoir donner la victoire à Chelsea. Parce que le reste d'entre vous a une situation bien pire. Oui, ce bébé à moi maintenant. Oh, achi! Je pense que mon allergie au chat d'enfance est de retour. Achi! Achi! Oh, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Le chaton sera d'entre les meilleurs mondes maintenant. Oh non, c'est à moi. Tu t'es même vu? Soigne-toi d'abord. Ils nous te donneront le chaton. Oh, le dernier prix était si génial. Tu ne vas peut-être pas aimer ça. Vous allez vous battre pour le poisson. De plus, vous allez devoir dessiner avec des sauces différentes pour cette fois-ci. Et ce sera plus difficile, mais vous pouvez le faire. C'est parti. Bien sûr, ça va être génial. Non seulement la peinture à la sauce est amusante, mais aussi elle est très délicieuse. Qu'est-ce que tu fais? Garde tes déchets pour toi. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. D'accord, je suis pas offensée. Ça doit être amusant de peindre avec des sauces. Je veux dire, elles sont si brillantes.
Ça a l'air plutôt cool. Il s'avère que le ketchup est une très bonne peinture. Awesome! Je pense que la sauce au fromage est assez brillante. Elle peut donc aussi être faire un dessin très cool. Yes! Il s'est épuisé si vite. Mais c'est pas grave. Elles ont tous l'air très lumineux et jolies. Alors toute sauce m'aidera à dessiner. Wow! Je ne savais pas que dessiner des sauces était si amusant. Allez! Oh non! Tout le monde dessine trop cool! J'ai besoin de me pousser aussi. Je veux aussi un joli dessin. Les sauces sont très bons! Ils doivent aussi avoir un très bon goût. Oh, wow! Ils ont tellement bon goût! Pourquoi dessiner du tout quand les sauces sont si bonnes toutes seules? Vraiment? Je pense que manger uniquement des sauces est bizarre. Non, ce n'est pas le cas. C'est cool et très délicieux. Je suis d'accord. Mais c'est plus cool de dessiner. Oh, mais non, les stupides cartons! Oui, ils ont ruiné tout mon dessin. Comment t'as pu me faire ça? Des bêtises stupides. Oh non, j'ai mangé toutes les sauces. Je ne sais pas du tout dessiner. Mais ce n'est pas grave. Nous pourrions simplement voler les dessins de Samantha. Votre temps est écoulé. Montrez-nous qui a dessiné quoi. Montrez-moi. Je vais prendre un bon dessin en attendant. Marie, ce n'est pas ton jour. Le dessin est pas bon. Non. Je préfère celui de Chelsea. What? Bon travail. Samantha, qu'est-ce que t'as fait, toi? Tu penses que si t'assieds là et fais rien, tu n'aurais pas de poisson? Oups. Cependant, félicitations. C'est Samantha qui reçoit tout un tas de poissons. Tout ça, c'est à cause de Chelsea. Je ne peux pas manger autant de poissons crus. Une idée. Pourquoi manger du poisson cru quand tu peux le cuire? C'est une excellente idée. Il y a une raison pour laquelle je porte toujours une torche sur moi. Oh, Chelsea, je suis désolée. Je pense que j'ai une lumière sur toi aussi. Oui, ça te va bien. Oui, allez. Tu peux transformer un méchant poisson en une délicieuse friandise avec une torche. Et si passer l'affaire? C'est ça, regardez. Souhaitez-moi bon appétit. C'est génial. Abonne-toi sur Darada. C'est toujours hilarant.